Écoute, t'as fait le choix d'abandonner. Maman, merci pour tes conseils, mais c'est ma vie. Tu regrettes jamais d'avoir quitté l'opéra? Ma chérie, je t'attendais. Comment ça va depuis la semaine dernière? Rien de nouveau. Oh, tu sais, il ne se passe pas grand-chose dans la vie d'une vieille dame. Paul et toi, ça va bien? Tout va bien pour nous, merci. Je venais te rapporter ta boîte. Le tagine était délicieux, on s'est régalé. Rien de pressé. Mais entre, entre, ne reste pas sur le pas de la porte. J'ai vraiment pas le temps, maman. J'ai plein de choses à faire à la maison. Paul est bien chez son papa, non? Mais justement, comme il n'est pas là, j'en profite pour travailler tard ce soir. Ils ont intérêt à te le donner, ce poste, vu tous les sacrifices que tu fais pour eux. Je t'appelle quand j'ai un peu plus de temps, si tu veux. Je dois y aller, maman. Je t'appelle, gros bisous. Oui, et encore merci pour le tagine. Tu m'appelles, tu m'appelles. Sois prudente sur la route. Ce soir, je rentre tard du boulot. On a une réunion hyper importante avec la direction, je peux vraiment pas la manquer. Tu veux que je garde Paul à dormir? Si ça t'embête pas, ça m'arrangerait. Son père va finir tard aussi. Tu sais ce que j'entends. Tu devrais passer plus de temps avec ton fils qu'au travail. Maman... Tu lui manques. C'est pas facile, un divorce pour un enfant de cet âge. Maman, on en a déjà parlé. Mais tu verras quand il quittera la maison. On n'est pas encore là. Oh, ça arrivera bien plus vite que tu ne le penses. Maman, je m'occupe de lui quand il est à la maison et son père aussi. Il n'est pas délaissé, t'en fais pas. Oh, mais je ne te reproche pas de le délaisser. Enfin, tu sais ce que j'en pense. Maman, merci pour tes conseils, mais c'est mon fils et c'est ma vie. Ça ira pour lui comme pour moi. T'en fais pas. Écoute, t'as fait le choix d'abandonner ta carrière quand je suis née. Et je te remercie. Mais laisse-moi faire à ma manière, et tout ira bien. Je ne te demande pas de quitter ton travail, simplement de réduire tes heures. Paul a besoin de toi maintenant. Ses parents se séparent. Il ne peut pas gérer cette situation comme toi tu le fais. Maman, bon sang, je fais au mieux. Et vois un psy.